Good morgen, allez, Iden, les Yusra, aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi, Shmuel, ben Shlomo Zalman, Elazar, Menachem, Man, ben Azriel, et Sarah, bat Hanan, Rachel, Shlomo, ben Esther, Shlomo, Nissim, ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah, bat Betty, Rivka, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet, Menachot, Perikud, Mishnachet. Kotsrim, bet Ashlachin, Sheba, Amakim, Aval, Lo, Godshim. אנשי יריחו גודשי, קוצרין ברצון חכמים, וגודשין שלא ברצון חכמים, ולא מיחו בידם חכמים. קוצר לשחת ומאכיל לבהמה, אמר ביהודה מתי, בזמן שהתחיל עד שלא הביאה שליש. רבי שמעון אומר, אף יקצור ויאכיל, אף מי שהביאה שליש. ובא, כמו סבך תדיר, קוצרים בית השלחין. Vous savez qu'il y a deux types de champs, il y a ce qu'on appelle le בית הבעל et בית השלחין. Beta Baal, c'est celui qui se fait arroser par de manière naturelle, par le ciel, il y a assez d'eau, c'est assez bien irrigué naturellement. Et il y a ce qu'on appelle Beta Shlachin, qui se fait arroser par la force de l'homme. Le champ est plus loin, par exemple, de la rivière, donc il faut apporter des seaux pour l'arroser. Il faut irriguer, il faut amener soi-même de l'eau et tout ça. D'accord ? Ça demande plus de travail. On avait appris plus haut que lorsque l'on apporte le Homer, on doit l'apporter spécialement des Beta Baal et pas du Beta Shlachin. C'était une Mishnah qui avait plus haut, qu'on apprenait. Donc, on apporte a priori, on préfère apporter l'Homer, donc d'un champ qui est arrosé naturellement par les forces naturelles et pas par l'intervention humaine. Ça, c'était la pré-introduction. Ce qui nous intéresse maintenant, je commence à traduire. Kotsrim Bet Ashlachin, on a le droit de couper le blé d'un Bet Ashlachin, Sheba Amakim, qui se trouve dans la vallée. Aval Logochin, on n'aura pas le droit d'amasser le blé. Et là, on fait appel à Bartanoura qui nous explique. Il y a marqué, il y a une contradiction dans la Torah. D'un côté, le Homer, il s'appelle Reshit Ketzirechem. Littéralement, les prémices de vos récoltes. Ça veut dire que c'est le premier à être récolté. On avait appris que tant qu'on n'a pas apporté le corban du Homer, on n'a pas le droit de consommer nous-mêmes les nouvelles récoltes. Jusqu'au 16 Nissan, on ne consomme pas le nouveau blé, le nouvel orge et les 5 céréales. Maintenant, la Torah me dit, tu sais ce que tu vas apporter au maire, c'est le Reshit Ketzirechem. C'est la prémisse, c'est la première récolte. C'est-à-dire que même pour couper, pour moissonner le blé, on n'a pas le droit de le moissonner. On n'a pas le droit de le couper tant que l'on ne va pas couper d'abord le Homer. Le Homer doit être la première chose que je cueille. C'est écrit comme ça dans un pasouk. Pourtant, il y a un autre pasouk qui me dit, quand vous couperez votre blé, vous apporterez le Homer. Donc tu as déjà coupé ton blé ailleurs. Regardez la contradiction. Un pasouk qui me dit, finalement, tu as le droit de couper ton blé et ton orge, tant que tu n'as pas apporté le corban d'Homer, un autre passage qui me dit, l'orge, c'est le premier coupé, l'orge du Homer, c'est la première chose que tu as récoltée. Donc il y a une contradiction. Et de répondre qu'il y a certes un interdit de couper le blé tant que l'on n'a pas l'orge, tant que l'on n'a pas apporté, tant qu'on n'a pas coupé l'orge du Homer, mais à condition que ce soit d'un champ qui est apte à apporter de lui le korban à Homer. C'est-à-dire, on avait appris dans une Mishnah plus haut que pour apporter le Homer, il y avait plusieurs conditions. Tu dois apporter spécialement d'un champ qui se trouve à proximité, un champ qui est irrigué naturellement et pas par la force humaine et tout ça. De ce fait, sur les champs où potentiellement tu peux apporter le korban à Homer, alors tu n'auras pas le droit de couper, de moissonner le blé et l'orge de ces champs. Tandis que si c'est un champ que de toute façon tu ne peux pas apporter parce que par exemple c'est un bet ashlachin, alors là tu auras le droit de couper le blé. Il n'y a plus d'interdit. Malgré tout, aval lo godshin, même si tu vas couper le blé, certes il faut le couper parce qu'il y a des raisons pour ne pas que ça s'abîme, comme ça rapporte dans le mefarshim, mais tu n'auras pas le droit malgré tout de l'amasser. Tu fais un petit peu, mais tu n'as pas le droit. Imagine, réalisez bien en plus de ça qu'il y a un interdit de le consommer, donc laisse, c'est-à-dire que tu commences, gagne un petit peu de temps si tu veux, mais pas plus. Ensuite, la Mishnah continue, on va apporter un exemple. Anshei Yericho, Kotsrin Birtson Chachamim, les habitants de Yericho avaient l'habitude de couper le blé, de le cueillir, de le moissonner, Birtson Chachamim, avec l'aval, l'accord des Chachamim, ve Godshin Shelo Birtson Chachamim. Par contre, lorsqu'il l'assemblait, il le ramassait, il le rapportait, comme s'il l'accumulait, alors ça c'était contre la volonté de Chachamim. Ve lo micho beyadam Chachamim, Chachamim ne leur ont rien dit. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas précisé ici. Ensuite, autre sujet maintenant, dans le même principe.
On vient d'apprendre que l'on n'a pas le droit de cueillir le blé, si c'est un champ, que potentiellement on peut apporter le homer de lui. Alors maintenant, le sujet maintenant qu'on va voir, c'est que je vous explique d'abord une petite historique. J'ai pas trouvé les mots, comment ça se traduit en... C'est sûr que c'est un procédé connu. À l'époque, quand le blé il poussait, alors il commençait à faire sortir un premier petit foin. Et une fois que ça arrivait, dans la Gemara, c'est précisé le tiers de la shlish bichoul. Dès que ça commençait à pousser d'un tiers, on envoyait les animaux pour brouter toute cette herbe, on coupait tout le foin, en fait, de manière à ce que ensuite, le blé qui va pousser ensuite, il sera de meilleure qualité. C'est très intéressant, c'est un peu comme les cheveux, vous savez que les cheveux, si vous voulez que les cheveux ils poussent, eh bien, il faut les couper un petit peu, vous coupez les pointes, ils font, ça les revitalise, il y a comme ça quelque chose de naturel, quand on coupe un peu, ça repousse même les plantes aussi, en général, je crois qu'il y a ceux qui font pousser des caoutchoucs et tout ça à la maison. De temps en temps, quand il commence à vieillir un petit peu, on coupe un petit peu les bouts et ça lui redonne un petit coup de punch. Et bien c'est le même principe avec les céréales, lorsqu'elles atteignent, elles font sortir d'abord un premier foin, elles atteignent un tiers de leur hauteur, là si on rase tout, on va avoir un meilleur blé qui pousse. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara très fréquemment Kotser la Shachat. Il va couper pour en tirer le foin. C'est ce foin-là qu'on va parler. Et ce qui se passe, donc la question maintenant, la problématique de la Mishnah est de savoir est-ce que j'ai le droit. On vient d'apprendre que l'on n'a pas le droit de couper le blé ou l'orge tant qu'on n'a pas coupé l'orge du homer. Si toutefois le blé il a commencé à pousser, je veux le couper, mais pas pour manger le blé ou l'orge, mais plutôt pour manger ce petit foin. Est-ce que j'ai le droit de couper ou non? C'est là. Alors la Mishnah vient m'enseigne, sache que tu as le droit d'être kotser la shachat. Tu as le droit de couper pour récupérer ce foin. Ou machil la bema et tu donnes ensuite à manger aux animaux. Amar Rabbi Yehuda nous explique. Et matai, quand est-ce que je t'ai dit que tu as le droit de couper? Bisman sheitril ad shelo evi ashlish. À condition que tu aies commencé à couper le foin tant que les céréales n'ont pas apporté le tiers de leur pousse. C'est-à-dire, si ça doit normalement atteindre, 30 cm ou 90 cm de haut, je ne sais pas combien ça fait du blé, j'imagine, 60 cm, un épi de blé peut-être, c'est assez haut quand même. Alors, tant que ça n'a pas atteint le tiers, ça n'a pas encore atteint les 20 cm, là, ça n'a pas encore atteint le tiers, tu as le droit de les couper. Mais si tu as raté le coche, tu as attendu que ça avait poussé plus que 20 cm à partir du sol, par exemple, donc le tiers de ce que c'est censé être, eh bien, puisque tu as dépassé le tiers, c'est fini, tu n'auras plus le droit de couper. Précision importante, regardez bien dans les mots. Bisman sheitril ad shelo evi ashlish. S'il commence tant que ça n'a pas commencé à faire pousser d'un tiers. C'est-à-dire, si de là, on est dans le bartender, il précise bien. Si ça a commencé à pousser avant que ça atteigne le tiers, tu es vite venu, tu as commencé à le couper. Et jusqu'à que tu finisses de couper tout le champ, le reste du blé a continué à pousser davantage. C'est bon, tu auras le droit. Pourquoi? Parce que tu as commencé tant que ça n'avait pas encore atteint le tiers. D'accord? Et Rabbi Shimon vient, il discute Rabbi Shimon Omer, Afiktor Yachil, Af Mishevi Yachlish. Selon Rabbi Shimon, tu pourras même couper le blé. Il n'y a aucun problème, tant que tu le coupes pour donner à manger à ton animal en guise de foin, tu auras le droit de couper même parce qu'il sera plus grand. Parce que tout ce que la Torah l'interdit de couper, c'est de couper du blé pour ta consommation. De toute façon, tu n'auras pas le droit de consommer jusqu'à pour l'homère, mais quand même, tu as le droit de le couper pour le cueillir pour ta consommation. Mais si tu vas le cueillir pour donner à manger à ton animal en guise de foin, il n'y a aucun problème, tu pourras le couper. Et c'est l'alakha établie comme Rabbi Yehuda, d'accord, qu'on est limité à un tiers, qu'il faut que tu commences tant que ça n'a pas encore atteint le tiers. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine d'aslacha, comme tout, c'est là.